Ma thérapie où tout est mathématiquement disposé, j'insiste en faisant de mon art un être à part qu'on dramatise pas. J'accentue la rime pour laisser place à l'avertissement. Quand je me pose, c'est art techniquement sympathique. Sur vite syncopé, j'insiste, ne te pose pas de questions. Calcule la précision des phases qui traversent les zones, se dispersent en masse pour atteindre tes membres de pigés. J'ai la conscience tranquille quand je pense que mon rap n'a plus personne. Dans le mauvais sens, je me sens clean du hip hop. Voici ma définition des rimes, j'en ai en stock. Elle les débloque pour construire ma vision du monde extérieur, de par mon intérieur. J'amène à son meilleur, pas pour les imposteurs. Place est stylistique. Est-ce que j'écris souvent, résume ce que j'ai, résume les faits de la vie sur ma vie à long terme. Ainsi mes textes résultent de mes faits et gestes, ce qui me pousse à être en phase avec ce qu'est mon être. Je suis souvent perplexe, mais je reste hyper flexible lorsqu'il s'agit d'améliorer mon art. Donc je parcours les ondes par amour du son, là des tourments de ma vie et ses tournants, ce qui explique cette multitude de personnages que j'imagine quand je nuis à mon image. Je les illustre par quelques apparitions de ci, de là. Ils sont imaginaires, tu sais, on ne tient qu'à leur plaire. On stigmatise mon hip-hop, les MC deviennent des icônes. Placardé sur les murs des chambres d'ado, musique à la mode, proche de la pop. Un commerce rentable à la porte, considérable en matière culture, qui s'approprie ses disciplines et les dénature dans des galeries d'art, des défilés aux comédies musicales. Pendant que les rappeurs sont bourgeois, champagne et filles de joie, palaces et voitures de grandes marques renient leur nature et adhèrent au système. Un peu comme les Saoudiens vis-à-vis des faits, pervertis par les mêmes vices. Les visages qui lui font office aujourd'hui sont aussi significatifs que dire que le roi du rock est né à Memphis. Comme l'Afrique, mon hip-hop a été pillé, troquant son âme contre des billets, tout ça pour briller. En attendant, ce n'est pas nous qui en tirons les ficelles, mais plutôt ces gens qui dénigraient en le disant éphémère, les gros.